Et puis comme je disais, bah suffit que deux mecs aient pas aimé un des moves que t'as fait pour que tu sois détesté, tu vois, donc. Je suis pas globalement convaincu par cette idée. En fait, le problème, c'est qu'il faut que les gens innocents soient pas impactés par ce genre de décision. Et malheureusement, c'est pas possible. Un truc où c'est les joueurs qui choisissent, les innocents vont forcément être impactés. Go donner des LP à Flash pour le Master. Bon, évidemment, le niveau 1 de Kiana, on le connaît tous. On joue safe. Le Z push bien, il a slow push histoire de jouer le niveau 3 sûrement. On va prendre le Q. Dommage pour ça. Essayons de récupérer le farm tranquillement. On va même pouvoir récupérer le niveau 3 avant lui. C'est le prochain sbire. Ah, attends quoi? J'ai raté l'XP d'un minion? C'est absolument pas ce que je voulais faire. Pulsen. Qui est pas mal, ça reste un bon trade, même s'il aurait pu être meilleur, on va pas se mentir. Ah. J'ai visé l'eau. Ce n'est pas l'eau qui a pris. Bon, il y a trop de minions pour lui. Il va devoir concéder ce push. On va tout envoyer sous tour et essayer d'aller aider le Hecarim. Qui a l'air de partir vers le top side. On va même pouvoir essayer d'aller aider la Annie du coup. Donc on a la pression sur la mid lane. Faudrait que le Karim vienne là. Enfin, bon, il est mignon ton gromp, hein, mais. Il y avait une Riven quoi. Attends, j'ai pas l'assist. Ok, c'est bon. Merci monsieur Karim. Bon, il a pris son temps, mais il est venu, on fait perdre le farm à la Riven, donc ça reste globalement un bon move. J'aimerais bien avoir tir plus... J'aimerais bien avoir la tir plus... comment ça s'appelle plus la dague dentelée pour mon bag, ce que j'ai déjà. Du coup, maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est... pouvoir back, surtout. J'aurais pu garder ce cookie là. Ok, on a Ecobot, mais il faut qu'on back. Là, on a 1200 gold. On peut pas se permettre un autre roaming. Alors, la tire. Une petite pink. Et on est reparti. On a perdu un peu d'XP, on a perdu un peu de farm, mais on a eu un double kill. Donc sur le long terme, c'est cool. T'as déjà eu 1000 d'AP avec Lux, très certainement. Lux c'est un perso où tu peux jouer Medjite très facilement, donc si tu stack 25 Medjite, t'as un Rabadon et que t'es full stuff, je pense que les 1000 d'AP ils doivent s'obtenir. Quoi qu'en vrai, peut-être pas, hein. Faut jouer Gathering Storm et tout. Ah, je sais pas. Nice, joli dodge. Ça nous permet d'avoir l'avantage. On va attendre de récupérer nos CD. Et là on va lui mettre la pression. Parce qu'il a plus son Z, donc il n'a pas le droit de farm, évidemment. L'empêcher de farm est notre priorité. On a pas de carapateur, mais... Ouais, c'est vrai que tant qu'il dash derrière les minions, il peut dodge le Q. Vu que même s'il est à tête chercheuse, il va rencontrer les sbires. Et du coup, s'il rencontre les sbires, forcément, ça le met pas bien. Ok, parfait. Très bon trade. J'aurais pu éviter ça, mais... Ça reste un bon trade, on va sûrement pouvoir le forcer à back. Oh, s'il back pas, ça peut être dangereux. J'ai pas de flash, donc il est globalement safe, mais sur un malentendu. Ok, il utilise son ombre. On a vu quelqu'un, mais personne peut me gank là. Il y a trop de minions, le Z a pas assez vie pour me tenir. Il y a aucune chance que ça se passe mal pour moi. Ok, on a Echo mid. Le Z va bientôt passer niveau 6, c'est pour ça qu'on ne,
On ne grid pas trop loin. Après, logiquement, tant que je le dive pas, il n'y aura pas de souci à se faire. Il a pas les PV pour me presser, là. On a la botlane qui galère, on arrive à une mid. Ok. On a dodge son... On a dodge son, son stun. J'avoue que le SS était un peu tard, mais ça va. C'est chiant parce que du coup, ça m'enlève un peu de PV. Bon là, il y a deux logiques à prendre. Soit on combo assez vite pour pas qu'il ait le temps de me R. Soit on le bait, on lui le dash in juste. Et on attend qu'il R pour le stun derrière. On a deux options, je pense qu'on va attendre. Parce qu'à mon avis, il est stressé. Depuis tout à l'heure, les combos, je les fais assez rapidement. Alors, on va même back, hein, à mon avis, là, parce que je commence à vraiment manquer de vie. La Riven qui nous aura pas mis bien. On a malheureusement personne qui peut nous aider. Après j'ai mon R. Globalement je sais pas s'il peut vraiment me tuer si je le go pas. Ok, il peut me tuer avec son ignite, my bad. Mais ça va, on récupère le trade kill. Ça aurait pu être pire. Si j'avais pas cette opportunité de trade kill, j'aurais sûrement juste abandonné le farm. Tabi ou pas? Non. Ils ont deux dégâts magiques, ça sert à rien. Ouais, en vrai, pourquoi pas ne pas infliger les 1 LP et par exemple des gens qui ne se font pas de report, qui ne se font... Ouais, non, en vrai, même ça, c'est pas possible parce que les gens toxiques reportent, du coup, à partir de là. Non, je pense que toucher au LP, c'est pas forcément une bonne idée. Empêcher les gens de jouer, déjà, c'est une grosse punition. Le problème, c'est que, étant donné que c'est facile d'acheter un compte... C'est de la merde. Attendez que c'est facile d'acheter un compte, bah les gens ont pas vraiment peur de se faire ban parce que s'ils se font ban, bah ils vont sur un autre compte et puis balek, tu vois. On va vraiment devoir reback là. Ok, on a un bon roam bot. Mais... On prend l'invisibilité. Nice, il l'a renvoyé vers moi pour que je puisse avoir le kill, c'est très bien joué ça. C'est très très bien joué de la part de Karim, il aurait pu juste chercher à avoir le kill pour lui et à la place il a préféré me le donner. Donc c'est globalement très gentil. Allez, récupérons tout ça. Bon après Qiyana, un classique. On fait en sorte d'avoir un élément EQZQ. Ça fait déjà un gros combo. Je pense qu'on va pouvoir rester. Je peux même essayer de tuer le Echo là. Le Echo qui devrait partir bot side de la jungle. Si jamais il est au loup ou au bleu. Ah, il est au loup. Et c'est récupéré. Chaîne CC pour pas qu'il puisse presser. Et c'est tout bénef pour nous. Là maintenant l'objectif ça va être de ne pas mourir contre le Z et de trouver un bon back. Et on devrait gagner cette game sans trop de problèmes. Faut juste qu'on arrive à trouver le timing back là. Parce qu'évidemment le mieux ça reste de ne pas perdre trop de farm. Le meilleur timing back ce serait un moment où il rate son combo et que du coup j'arrive à le combo derrière. Donc on peut attendre par exemple qu'il utilise un shuriken dans le farm et ensuite le go in. Sinon, on peut envisager de back maintenant, là. Même si on perd un peu de CS, c'est pas grave. On a notre premier item à aller chercher. Il veut freeze la lane. Ça me va. Kill la freeze. Moi, je veux juste back. Red trinket. Et on va commencer à impacter la map. Ça va être notre objectif. Comment on ping l'item qu'on veut dans la boutique? Ouais, t'appuies sur CTRL ou sur ALT et... Et tu peux ping n'importe quoi, que ce soit tes items. Tu peux ping... J'arrive. Bon ça c'est pas... J'aurais pu m'attendre hein, globalement pour faire ça le Hecarim. Parce
Parce que là, du coup, bah, ça va me forcer à prendre des risques. Des risques que je n'étais pas obligé de prendre à la base. Ce qui est un peu dommage. Ouh. Ouais, bon. C'était de la merde. J'ai mal joué, je prends un coup de tour en plus. J'ai très mal joué là-dessus. Déjà, le move était greedy de base, et en plus, je le prends mal, donc à partir de là... My bad. Alors, soit on finit un Manamune maintenant, soit on veut l'item anti-shield, soit on veut le Ledge of Night. Ledge of Night me paraît pas useful. L'anti-shield est sympa contre Echo et Cassio, mais du coup, est pas sympa tout de suite. Contre Even aussi. Et on n'a pas encore fini de stack notre tir. Bah déjà, on va prendre de la D et on verra. On verra prochain bac. Si on peut finir notre Manamune, on le fera. Si on peut pas, on partira plutôt sur l'item anti-shield. En fonction des honneurs reçus en duo, on obtient un pourcentage de LP supplémentaire à la fin de chaque saison. Alors on a déjà des trucs en fonction de ton honneur, mais tu peux pas avoir des LP en fonction de ton honneur, genre c'est pas fiable. Si je prends pas le sort derrière, c'est bon. Pas mal. C'est un peu greedy en sachant qu'il y avait des minions, mais on savait qu'il avait pas son R, donc si lui il gridait, on aurait pu le presser. C'était pas non plus trop greedy. On peut se permettre de dash sur les minions ou alors d'utiliser les griffes du rôdeur sur un minion. Pour ensuite le go in par exemple. Mais bon, s'il joue très safe, on va juste le laisser jouer très safe. Et impacter la map, c'est plus intéressant que essayer de dive en Z. Tout à l'heure on n'avait pas le choix à cause de l'Hérald, mais... Mais si on a le choix, autant impacter ailleurs sur la map, ce sera toujours plus important et plus intéressant. Là, on voit qu'il a plus de shuriken, donc on peut se permettre de jouer aggro. On le force à utiliser son ombre derrière. C'est un kill, encore une fois, pour Sivir. Bien joué. On continue à essayer d'avoir de l'info dans la jungle, parce que dès qu'on croise Echo, on peut le tuer. Partout où on peut... si on peut ward ici ou alors là-bas... C'est toujours bénef. Ok, ça se bat au bot. On pourrait récupérer la tour. Je pense que la tour est un poil plus intéressante qu'un gank bot actuellement. Vu que c'est une T1 mid. En plus, c'est la première tourelle, donc 400 gold supplémentaires. C'est récupéré. On va essayer d'aller dive la bot lane après. Je dis pas qu'on le fera, mais en tout cas, on va essayer. L'anti-shield, ouais, c'est comme l'anti-heal, ça réduit de 50% les shields. Et en plus, quand ils ont déjà des shields, ça casse la moitié du shield, en gros. Pourquoi c'est moi qui tank ? On récupère un kill, mais bon, c'est pas... J'ai perdu farm pour ça. C'est pas insane. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux pris, disons. Alors, item anti-shield ou pas. Bon, de toute façon, on a les gold pour ni l'un ni l'autre. Go commencer l'item anti-shield et on verra après. On a Z au bot. On va avoir du farm à récup mid, on va y aller. Ah oui, c'est vrai que c'est 25% pour les ranges, bien vu. J'avais complètement oublié de... C'est vrai que, bon, en soi, j'ai pas l'habitude de jouer des ranges létalité, mais... C'est vrai que c'est que pour les corps à corps hein, que l'item enlève 50% des shields. Bon, il s'agirait de me respecter, madame, quand même. Il s'agirait de me respecter... Voilà, rien de transcendant, on a juste fait un combo classique, on est très très faible, donc sur une personne qui est aussi squishy, c'est normal de pouvoir la one-shot facilement. On a notre petite Leona ici, ah, une pink là. Je devrais pouvoir la rattraper normalement. On va prendre l'invisibilité au cas où Z veuille se battre derrière, mais il a eu l'intelligence de refuser
Oh, salut Echo. On sait pas où est Z. On a un shutdown sur nous, ce serait con de le donner. Continuez tranquillement à farm. Avec notre Muramana, on aura... La Muramana donne un scaling sur Qiyana qu'elle avait pas avant. On n'est pas obligé de forcer des trucs dont on n'est pas sûr de voir le bout. Juste tranquillement jouer normalement et jouer les objectifs plutôt que les kills. On a Z ici, niveau 11. Z qui peut toujours nous one-shot, hein, évidemment, ça reste un assassin, il a un item. On doit pas se permettre n'importe quoi, surtout sur notre ulti. J'ai assez pour l'item anti-shield. On pourrait aller le chercher. Après j'ai une wave de creep à récup qu'on va aller prendre. Comment tu fais pour maîtriser autant de champions? Ah, le one spear champ, bon. Il faut les jouer, les champions. A chaque fois qu'un champion sort, en général, déjà, je le joue un peu. Après, ça veut pas dire que je les maîtrise, mais... Ça fait bien 5-6 games qu'on fait sur Qiyana, là, donc forcément, on est meilleur que quand on a commencé. Mais ouais, après faut jouer, hein. Faut jouer beaucoup et s'intéresser à tout ce qui se passe. Et puis voilà, comme je dis, ça c'est mon compte test limite par exemple. Bah, il y en a, ils le font en normal game, moi je le fais en solo queue sur un compte un smurf. Chacun sa façon de test limite après. J'aime bien les mobilités aussi, j'aurais peut-être pu partir mobilité dans cette game. Oh merde, j'avais pas mon item, my bad. Enfin, j'avais pas mon spell, je veux dire. Bon, j'ai voulu flash dash Q la Cassio, mais j'avais évidemment pas de dash, donc ça marche beaucoup moins bien comme ça. On récupère quand même les kills, mais ça aurait pu être moins gênant, quoi. Plus d'exhaust quand même sur Madame Leona. Toujours penser à changer d'élément quand on appuie sur Z pour annuler le CD. Le CD sur la cible que l'on fight. Les dégâts sont globalement sympas. On va prendre l'eau. C'est pas une map haut, c'est dommage sur les maps haut comme j'aime le dire. On peut récupérer l'élément haut un peu partout, donc c'est sympa. Ah. Ok, le flash. Je pense que je meurs là. Oh, les dégâts! Ah ouais? Ok, bon, elle a deux items en vrai. Hein. C'est vrai que j'ai été greedy là-dessus, je pensais la tuer. Malheureusement, en fait, vous avez vu, elle a flash out derrière ses minions, ce qui a fait qu'elle a pas été stun par le spell à tête chercheuse. Je me suis laissé avoir là-dessus. Level 3, ouais, level 3, même le niveau 2, il y a certains champions que tu peux all-in avec Qiyana. Bon, bah, là, par exemple, c'était aussi du test limite, tu vois, on a pensé qu'on pouvait faire quelque chose, alors que une Cassiopeia qui a son flash et son ulti, faut quand même qu'on la respecte, même si elle est niveau 11 alors qu'on est niveau 13, tu vois. Ça, c'est des trucs, c'est l'expérience qui nous dit... C'est l'expérience qui nous dit, bah, la prochaine fois, tu referas pas cette erreur, tu vois. Salut, Karlasu. C'est parti pour ma demi-heure de détente, let's go, Bob. Oui, voilà. Bon, la logique aurait voulu que je prenne le bot, mais on va... Ah ouais, ils veulent que... Ok. J'allais dire, si je les rejoins pas, ils vont m'insulter, alors que la bonne idée serait de prendre le bot, mais bon, ils ont un cerveau, donc... Donc jouons comme s'ils avaient un cerveau. Et prions pour qu'ils donnent pas le nacha. C'est bénef, nice. Après, les gars, vous appelez ça un buff, mais Akali,
ça va devenir un champion poubelle tier en lane. Hein. Le champion pourra plus lane contre des distances. Je me demande s'ils veulent pas juste la rendre top lane only à Kali maintenant. Parce que je me dis, avec le fleet footwork qui est nerf, avec le fait que ça rende plus d'énergie quand elle met une auto-attaque après son sort, déjà ça rend le champion beaucoup plus facile à jouer. Mais surtout beaucoup plus difficile à rendre utile en lane, donc à voir. Le fait que la smoke donne 80 d'énergie max, ça c'est déjà fort de ouf. Donc à voir comment le champion s'en sort, mais c'est sûr qu'elle devrait avoir un late game globalement impressionnant, la nouvelle Akali. On pourrait aller chercher notre mana munée. C'est pour ça que j'aime bien l'avoir en deuxième item, parce que là on aurait déjà une Muramana. En termes de dégâts, on serait assez exceptionnel. Mais bon. On a joué l'anti-shield. Au final, l'anti-shield qui a pas été si utile que ça, donc je pense que faire une mana munée en deuxième item dans cette game aurait été mieux. Donc voilà, pareil, la prochaine fois on le saura quand on sera à nouveau dans une situation pareille. Ok, on est parti sur un fight au mid. Attention, j'ai pas énormément de vie. Oh merde! J'avais pas vu que la Cassio était en vie. On devrait pouvoir finir là-dessus, on a le Nashor, tout le monde est mort. C'est un GG wellplay. Et ouais, c'est là où on voit hein, l'early de Kana, faut être capable d'impacter la map avec l'early de Kana, mais on a quand même un mid-late game sympa. C'est dommage du coup, on n'aura pas notre Muramana. Ouais non, j'aurais pas le temps de la stack. Ouais, je pense que Muramana deuxième item, du coup, ça aurait été plus sympa dans cette game. Oh, je suis vraiment mort de la fontaine. Toi, ton compte a monté sans Kata, tu vas jouer Kiana? Je sais pas, Kiana, je suis pas encore assez solide dessus pour me considérer comme capable de tryhard avec, mais c'est à ça que sert ce compte, hein. C'est justement, on joue beaucoup des champions sur ce compte, et ensuite on les jouera sur le compte sans Kata, si jamais on atteint le sub goal, évidemment. Si on l'atteint pas, bah nique. Tu engages avec ton E. En général, le combo principal, tu vas engager avec ton E. Après, faut pas tout le temps engager avec le E. Quand on n'a pas besoin, c'est toujours bon d'éviter, tu vois. Bon, merci YouTube en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très très bonne journée. C'était la petite Kiana, ça fait quelques temps que je la joue un petit peu et c'est globalement sympa. Rejoignez-moi en live comme d'habitude, abonnez-vous, c'est vrai que je le dis jamais, faudrait que je le dise au début des vidéos comme font les grands YouTubeurs parce que 40% des gens regardent les vidéos sans être abonnés, c'est pas possible. Comment vous faites? Arrêtez! Si vous m'aimez pas, arrêtez de me regarder. Passez une très bonne soirée, bye.